Mesdames, Messieurs, frères accès aux patriotes, bonjour pour nous tous. Jeudi, c'est mardi 6 février. Et nous avons serviteurs, aux amis, merci Dieu, c'est un immense et réel plaisir et même un privilège. Chaque fois que moi j'ai une occasion comme ça pour montrer la caïno et pour partager avec nous quelques parmi nouvelles et cap dominer l'actualité. Il est midi. Passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte le Boblo, lagué ou dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mardi 6 février 2024, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le deuxième sortie journal la Gazette Créole pour ce maintenant. Mais maintenant, nous allons développer dans le journal ça. Il y a trois personnes qui meurent, plusieurs autres blessés pendant une attaque à Badina Gang, Boudba, Kapopéré, dans Mariani, fait ailleurs lundi dans Grenade, une localité dans la 11e section communale Kafou. Badisayo a tenté prendre contrôle de diverses zones dans la commune, d'après magistrat Jude Edouard Pierre, qui m'a dit au commandement PNHTA pour renforcer la présence dans la commune Kafou. Il y a un monde qui meurt, actuellement, l'autre blessé en Baba. A lundi à Naoka dans la mobilisation contre le gouvernement en place là en bien manifestant logé douette sous la police qui tirait sous yo divers membres population dans ville inchité avec yo agent Pissapa piller et puis bouler local droit dans commune Papayla et puis aller à tout ça yo joindre sous yo sous appel parti des engagés pour le développement ancien premier ministre Claude Joseph et a dirigé un sting qui organisé à lundi devant villa d'accueil la Namiso dans le dépôt de la départ premier ministre Ariel Henry protestataire était obligé courir quitter le mouvement ça après la police et tiré gaz lacrymogène sur eux pendant plusieurs fois. Il y a SOS journaliste qui m'a des médias à travailler la pression pour suspendre les déclarations Pimabou qui a incité le monde à faire violence en divers groupes politiques ou bien leaders politiques faits dans un contexte qui est vraiment difficile en d'un pays. C'est une façon pour journalistes protéger tête mais tout participer dans l'effort qu'a fait pour promouvoir dans l'effort qui doit fait pour promouvoir l'état des droits dans le pays d'après Guilherme Delva qui est secrétaire général SOS journaliste. Divers bandits ont bien rentré à lundi dans le bureau central ou AVCT dans tabac et bien ils ont kidnappé employés institution qui t'a joint libération quelques temps après. Gouvernement Kenya dit pas prendre décision la cour d'appel avant de déployer force dans le pays d'Haïti d'après un haut responsable ministère Kenya affaires étrangères Abraham Kourixengui dans une interview les by New York Times qui fait connaître Kenya qu'Haïti a travaillé pour finaliser un accord bilatéral dans deux semaines cabinet là yo et force kenyanyo pour déployer immédiatement Haïti arriver joindre accord ça. C'est pour ça avec divers autres nous va développer et réduction abtonner. Au journal ça Benjo Pierre qui a fait manœuvre technique et bien c'est un cœur civil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde. L'autre fois encore, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement. Premier parti journal là. Il y a trois personnes qui mourent, plusieurs autres blessés et en pile monde qui quitté la caillou pendant une attaque à bandit dans gang Boudba qui a opéré dans Mariani qui dans commune Gressier. En effet, hier lundi à Grenade dans une localité dans 11e section communale Kafou. Ça veut dire bandit qui dans gang Boudba quitté et localité dans commune Gressier ont traversé dans commune Kafou dans l'idée pour venir tenter pour contrôle diverses zones dans la commune ça d'après magistrat Jude Edouard Pierre qui m'a dit au commandement PNHTA pour renforcer présence dans la commune en côté Jude Edouard Pierre. Bandit qui est déjà installé au Mariani, qui envahit un quartier, un carrefour, c'est la grenade sous tête sapoti, je vais passer barrière rouge, je montais tout droit. Ça s'est créé une véritable panique dans un nord au point que gagné. Deux mouniennes étaient confinées qui mourent, un matin, un troisième mounien confiné qui mourent, c'est si j'ai un cadavre, mais il y a un cadavre là, il y a un prendre. L'autre là, monsieur t'a semblé aller avec cadavre là. En pile, monde dans un qui est en déplacement, très peuplé, donc tout le monde court et quitte les zones là. Hier soir, tu es vraiment en difficulté de dormir. Ces hommes qui recevaient, chaque monde recevait au monde, sous Carrefour, ça traquait et aller en province. Mais nous, rapidement, la police est intervenue et écoutez, et bandits, hier soir, t'es allé. Donc, il y a un père bleu et dans la population pour un retour éventuel de ces bandits. Ils voulaient prendre Carrefour en otage. Son situation assez difficile, Carrefour à vivre. Nous profiter de la commission de 1000, Léon, pour nous lancer au SOS, par le gouvernement, par le commandement de la police là. Nous disons que nous-mêmes, Carrefour, nous pas accepter que Carrefour cédé. La population a fait résistance là, mobiliser la compagnie de la police. Nous demandons puis renforcer capacité, unité socialisée de la Carrefour Kagoumé Mariani. Nous reconnaître et saluer courage. Policiers, ça, qui a gourmé sans gros moyens sur Mariani. Nous reconnaître ça, UTAG, UDMO, soit Simo, Boy Kagoumé. Nous croyons que c'est important pour nous dire que nous travaillons avec un peu d'intelligence, continuer de supporter la police, mais tout dit au commandement de la police, ça, mettez policiers en confiance, bail aux moyens, prime de puissance, tout ça au besoin, baillol, parce que nous pas quitter Carrefour CD, mon Carrefour prêt pour résister, mais faut qu'il y ait accompagnement au remontement, qui vous mettez les policiers en confiance. Une situation assez alarmante, une nouille, sur Carrefour, c'est jamais vu, mais même pas jamais pensé Carrefour, c'est une situation comme ça, des jeunes garçons pour la population, on a au besoin, et voilà, c'est un peu compliqué aujourd'hui, pour la ville. Nous connaissons que gang, Boudba, les sous Mariani, c'est une localité dans la commune Gressier, pas vrai? Effectivement, Mariani, côté, n'est pas installé, pas sous juridiction Carrefour. Moi, bien content, on fait mise au point ça, et sous commune Gressier. Mais par rapport à taille commune Carrefour, importance commune Carrefour, il y a plus impact sur Carrefour et Grand Sud. Des acteurs, c'est la police de Carrefour, base opérationnelle PNH, là, c'est Carrefour Métel, c'est plus capacité d'accueil pour recevoir policiers qui ont fait opération sur Marianne. Mais en soi, c'est pas sous Carrefour problème, mais les ont intervenu la grenade, c'est sous Carrefour. Les Yalston, ils prennent sa poti, prend la grenade, c'est Carrefour. C'est de ça, c'est des territoires proprement Carrefour. Donc, mais Mariani, parce que il frappe à nous, mais il est toujours appelé, passer sur la mer, il rentre en Calamantin, tenter d'arriver la Chanel, ça c'est Carrefour lié. Immédiatement, il était dans la frontière Carrefour avec Gressier, c'est sous Carrefour, il y avait une machine qui fait kidnapping, le monde Carrefour, mettait entrepreneur en difficulté. Directeur de l'école, élève de l'école, ou d'accord, parce que c'est Carrefour que ça c'est grande ville là par rapport à Gressier. Mais, au-delà de considération, ça, on a fait son feuillet qui passait Carrefour, on a parlé d'abord sous un approche plus rationnel sous gestion de sécurité publique, là, nous pensons que je tiens parfaitement pays. Pas que management public de sécurité, pas que management de sécurité publique, là, je tiens dans le pays, il exclut maire, casette, autorité locale, non toute approche. Gagner, j'aime de matin, une approche assez simpliste de sécurité, qui c'est faire la police faire opération seulement. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait l'autre aspect, eh bien, qui peut faire en sorte que l'approche la plus globale, comment faciliter qu'il y ait un contrôle de qui se passe sur ce territoire-là. Au tapot de déclaration, magistrat Carrefour, Jude Edouard Pierre, qui t'a pas plus de détails, mais sur attaque ça, bandit dans gang Boudba, qui a opéré dans Mayani, fait ailleurs lundi, dans la Grenade, une localité dans 11e section communale, Carrefour. Il y a un président réseau protestant pour cap défendre trois monio, pasteur Destiné Saint Pierre, qui continue à attirer attention autorité, association qui gagne dans la commune Croix des Bouquets, côté bandit, continue à faire ça, il voulait, mais responsable l'église là, avec qui mandé, yon intervention pressée, bon, côté autorité concernée, mais mandé pour population dans la commune ça qui se situe dans nord-est la capitale là mais pour mettre tête ensemble dans l'idée pour mobiliser pour exiger puis bonnes conditions pour vivre en côté pasteur Destiné Saint-Pierre dans la commune Croix des Bouquets, particulièrement dans la zone qui baille sous zone est Croix des Bouquets. Jusqu'à présent, l'école, l'église, tout bagaille sont fermées. Koudiala, tout le monde déplacé, Timounio aux abois, gagnent calé bien loin, il n'y a pas même qu'on ait côté pour l'école. Nous attirons attention ministère éducation nationale sous catastrophe ça. Près une vingtaine d'écoles en pleine non, pas fonctionné, gagnent élèves qui pourraient aller dans 9e année, gagnent élèves qui pourraient aller dans NS4. Nous pas tant des ministères là, même on note, c'est comme si on même occupé nous ti moun sa yo viré à gauche à droite paré yo déplacer avec courir avec yo programme yo pas ka wel son grave problème li posé donc jusqu'à présent et y a en pile dans communauté c'est encore et bien moun ka rentrer la caillou piller attaquer yo prend ça yo gagner donc ces situations ça n'a vivre situation pas changer. Est-ce que ouais moun dans zone ta senti yo concerné par ça qui a passé actuellement côté plusieurs groupes mobilisés pour yo réclamer départ Premier ministre Ariel Henry, qui est moun nan zone ça, qui opinion moun nan zone yo sous conjoncture actuelle là. Premier sanabdi c'est que moun yo admet déjà bon gouvernement pas délivré, Pas de personne qui lève un titre pour dire rien. Il y a un changement. Et changement, ça, il y a à ce que M. Ariel Henry l'y admette pour l'accepter que la situation en janvier n'est pas gagnée en café. Donc, il y a un changement qu'il remet pouvoir là pour permettre qu'on l'autre équipe, l'autre groupe monde qui vient prendre un pays pour capable remettre le pays ça sur rail. Mais on connaît tout. Il est très difficile pour nous. Longtemps, des mouvements qu'on a fait, ou qu'on a des Croix des Bouquets, Bon Repos, Cité Soleil, Delmadé, passé. Mais on connaît tout peuple ça on a éto. Il n'y a pas qu'à déplacer. Bon, il n'y a pas qu'à même fonctionner. L'école pas qu'à même fonctionner. Même dans la machine, il n'y a pas qu'à aller. Donc, ouais, il est très difficile vraiment pour nous rejoindre à ce vaste mouvement. Et ça fait nous comprendre que dans les provinciaux, il y a porté solidarité, nous encourager que vous faites tant des voix, et maintenant dépendant, vous faites tant des voix. Pour penser à résolution, ça qui dit, monsieur Ariel Henry, c'est des pouvoirs en exécutif bicéphale, président soutien en cours de cassation, et premier ministre là, on peut venir des consensus pour capable prendre le pays ça mettre sur les rails et organiser, pacifier et faire élection pour que le pays ça capable de prendre chemin. Voilà, ta petite déclaration, pasteur Destiné et Saint-Pierre. Gagné bandit à Gozam qui est entré à lundi dans le bureau central ou AVCT dans Tabar. Côté bandit, il a été kidnappé, il a employé institution et qui après la joindre libération quelques temps après. Gouvernement Kenya dit qu'il va prendre décision de la Cour d'appel avant de déployer force liée en Haïti d'après un responsable gouvernement. Dans une interview, le New York Times, secrétaire principal ministère Kenya Affaires étrangères, Abraham Kourixengui fait qu'on est Kenya à Haïti à travail pour finaliser un accord bilatéral dans 2 semaines qu'a venir là yo une fois deux pays rivés signé à Kosa force Kenya pour le déployer immédiatement dans le pays d'Haïti. Déclaration M. Senguio vini justement une semaine après votre cours Kenya dans Nairobi est bloqué déploiement 1000 policiers pour le faire qu'on est ça pas capable river si pas de gagner un accord réciprocité qui détaillait cadre et force Kenya pour être capable d'opérer dans le pays d'Haïti. Mais le gouvernement kenyan fait appel de décision ça. M. Sengoui fait qu'on est en bien route courroie, mais baillon voie légale pour déploiement accord bilatéral réciprocité avec Haïti. Mais il fait qu'on est tout gouvernement en bien de toute façon fait appel de décision ça devant un tribunal qui piro pour y rejoindre éclaircissement sur quelques conclusions gouvernement estimé qui baille problème. Mais malgré ça, en déploiement en bien trouvé et pas doué nécessairement tant de conclusions à appel et gouvernement en fait compte en décision route cour après pour bloquer un déploiement 1000 policiers kenyayo dans pays d'Haïti. Pour aller dans le dossier mobilisation qu'a fait divers côtés dans le pays pour demander départ pour le ministre Ariel Henry avec le gouvernement là il y a un monde qui mourit avec 3 autres blessés avec balle à l'Indien dans Okaï dans le cadre de mobilisation contre pouvoir en place là bien manifestant l'enjeu doit être sur la police qui tirait sous yo gagnant divers membres population dans la ville inchité avec yo agent Bessap qui t'a gagné gros zam dans mais qui pillé et puis bouler local la douane commune n'a pas écouté moun sa yo pour aller tout ça y joindre plusieurs villes dans le département centre pays qu'on est rejoint tension à l'Indien dans la mobilisation qui visait réclamer départ pour ministre Ariel Henry à l'approche 7 février 2024 qui c'est demain mercredi dans Jérémy malgré pas de manifestation et dans toute ville là mais il y a un petit groupe monde qui t'a fait divers en mouvement dans ville là côté gagné te gain barricade qui te mettait caoutchouc t'a boulé et puis il y a une machine protestataire au boulé Jean-Gary Joseph pour plus de détails. Une machine boulée, caoutchouc à éclat enflammé dans plusieurs quartiers dans la ville. Bureau d'État, tant que privé, t'es fermé porte, c'est que les commerçants t'es paralysé complètement. C'est bilan mouvement, levé campé qui fait dans Jérémy pour demander départ premier ministre haïtien, docteur Ariel Henry, à toute équipe liée sous pouvoir. Série mouvement Sayo, qui sous plusieurs semaines dans le département de l'Aslan, permettent que 5 personnes qui déjà mourent en bas balle la police, avec une dizaine d'autres qui blessés graves dans Jérémy avec la commune Roseau. Pour le lundi 5 février 2024, là, pas de manifestation. Il y a une cérémonie qui t'a tenté de prendre rien. Ça n'a pas très ici. Malgré pas de présence de la police pendant toute journée de mobilisation. Depuis Jérémy, Jean-Guy Joseph, Vision 2000. Merci Jean-Gary Joseph. Dans Miragua, diverses populations ont l'autre fois encore dans la rue à Elendia pour dénoncer la misère et insécurité et puis continuer à exiger des papes au ministre Ariel Henry. Natacha Jean-Jacques pour plus de détails. Plusieurs milliers de monde manifestés dans la rue Miragua le 5 février 2024. La manifestation s'est faite dans l'objectif pour peuple a dit non, il n'est pas capable encore d'accuser toute qualité la fait face tant que grand goût, insécurité, kidnapping. Protestataires qui dit au bouquet à gouvernement Ariel Henry a demandé pour premier ministre racher Mayokli. Mobre Will Fett fait office de porte-parole mouvement. Tout le monde qui les arrêter Mariani, il n'y a pas de problème. Les arrêter Martistan, il n'y a pas de problème. Les arrêter Village de Dieu, il n'y a pas de problème. Les arrêter Panaron, il n'y a pas de problème. Les arrêter tout l'autre groupe qui n'est pas dans Mélo, il n'y a pas de problème. Alors, c'est pour ça que nous dit la police, accompagnez-nous pour nous débarrasser de pays à Ariel Henry qui n'a pas montré capacité, parce que il n'y a pas de volonté, sont cyniques, il n'y a pas de signe depuis 30 mois pour montrer capacité de gagner, pour retirer le pays à l'insécurité. Plus gros problème à Haïti, c'est insécurité. Plus gros problème à Haïti, c'est insécurité. Nous prenons la rue avec les gens qui sont nombreux, qui sont conscients, les gens qui sont haïtiens. Manifestation ça qui était commencée dans Chalon, première section communale Miragouane, malgré la pluie qui fait journée à tomber, t'es passé dans Berquin, parcouru Sainte-Ville et t'as fini dans Reynolds sans incident sous gros dispositif sécurité agent hydronique. Pour journée 5 février 2024 là, toute activité était paralysée, banque, l'école, dépôt, téléthéâtre, portio fermé. Dans la cité Fernand Iberla, Miragouane. Natacha Jean-Jacques, Radio Vision 2000. Merci Natacha Jean-Jacques. Il y a plusieurs zones dans la route nationale numéro D qui ont été bloquées à lundi à un niveau Tigouava, côté toute activité était au même temps paralysée dans le cadre du mouvement protestation qui visait réclamer départ pour le ministre Ariel Henry et tout le gouvernement Eugène Raymond pour le bon plus de détails. Barricade dressée dans plusieurs axes sur route nationale numéro DA, porte à l'école était fermée, bureau public pas fonctionné, porte en banque commerciale, magasin yo toujours été fermé, transport en commun pas arrivé fonctionner, caoutchouc boulé dans divers endroits dans ville Antigouave. C'est image ça, cité Faustin Solouk là présenté pour lundi 5 février 2024 là. Nan mitan jounen yan, plusieurs milliers moun Antigouave manifesté dans la rue pour continuer réclamer démission premier ministre Ariel Henry ak toute équipe li. Manifestant yo qui montre motivation yo gagné pour continuer bataille la contre équipe qui sous pouvoir annoncé 7 février, c'est date en limite docteur Ariel Henry dans tête en pouvoir. N'a foulé le béton jusqu'à ce que nous jeunes départ Ariel ensemble avec acolyte yo et commencer sous Matou aller sous José Pierre-Louis comme gouvernement et là c'est plus que 10 millions de gouttes dans la ville Tigouave. Manipulation qu'a fait dans l'arrière, non seulement vous capable pouvoir mettre ensemble 2000 gouttes dans l'arrière, tout le monde capable de constater qu'il y a 10 millions de gouttes qui débloquent. En Caroline, tout le monde a distribué l'argent aux communes, tout le monde capable de commander Major Michel, c'est eux-mêmes qui ont distribué l'argent aux communes, nous faisons de manière pour souhaiter pour votre peuple. Et nous disons que ça va passer, je dis. Là, si vous avez pas 1000 gouttes, achetez manger avec la caillou, vivez fou les bétons pour nous demander départ Ariel Henry. Faut que nous dit pendant soirée, dimanche 4 février 2024, là, en pile en coup de balle, chanté dans la ville Antigouave. Plusieurs responsables à mouvement mobilisation contre le gouvernement Ariel Henry en Antigouave, accusé petit Antigouave, Yodi qui fait partie gouvernement Ariel Henry, qui a marché distribué corps dans diverses bases dans la ville là, pour et mobilisation à Eugène Raymond. Tigouave. Vision 2000. Merci Eugène Raymond. Manifestation toyenne indienne, diverses rues dans ces marques pour forcer le gouvernement provisoire en place là, en bien quitter tête à pouvoir après 7 février 2024, Carlos Augustin. Jean yote annoncé li nan week-end plus passé yon centaine moun te foule béton dans la rue Ville-Saint-Marc journée lundi 5 février pour demander à premier ministre Ariel Henry bay talon li sous pouvoir. Rive nan moment pour livrer dernier message journée, te gen ti mezentente ant yon manifestant ak Jules Senob ki se chef manifestasyon sou chwa moun ki ta dou vin dirije peyi ya apre depa Premier ministre Ariel Henry. Ariel sou di jodi a demain nou mette l'autre. Non, nou pa ken non. Tout simplement la tout. Di vini pou konnen ba konnen Ariel encore. Di vini pou konnen. Di vini pou konnen pa di man. Di vini pou konnen nan se mak ba konnen Ariel. Ba konnen l'autre encore. Ba konnen ki a nous ne mettons ni Pierre ni Jacques, nous avons des raisons. Nous ne pas dire qui nous mais n'importe qui monde qui est capable de porter solution à problème population, nous camper d'elle. Manifestation qui était déroulée sans pièce incident, te joint accompagnement la police dans le commissariat Saint-Marc sur toute parcours. Faut que nous dit première journée manifestation ça dans Saint-Marc, nous constater qu'abla pas trop grave. Passez ça. Carlos Augustin Saint-Marc. Pour Radio Vision 2000. Merci Carlos Augustin. Je sentais annoncer qu'il y a un sitting qui est organisé à lundi à Villa d'accueil là dans Musso, sur l'initiative partie des engagés pour le développement qui gagne en tête l'ancien Premier ministre Claude Joseph dans l'idée pour réclamer départ gouvernement Ariel Henry protestataire. Ils ont été obligés de quitter le mouvement ça après la police a fini à Gaïfoula à quelques gaz lacrymogènes, quelques naïos bien condamné comportement en force l'audio côté au promettre il y a pas continué et mouvement ça jusqu'à ce qu'il rejoigne un départ Ariel Henry en côté déclaration. Nous avons regroupé pour nous capables de faire sitting. Sitting pas manifestation, pas de case, pas de brise, pas de caoutchouc. La police choisit craser à gaz lacrymogène. Père Claude Joseph faut quand même finir. C'est rassemblement qu'on a fait pour lui, vous le finir. Si tu as fait des autres, tu as pas la veille, nous avons fait des autres. La police compte on masse peuple, un petit groupe monde. Ça fait mal. La PNH responsable, plonger Haïti à plonger. Nous ne pouvons pas avoir une force qui a nous toute entité là qui est capable de régler cette situation. Pour avoir une équipe esclave dit c'est l'autre nation qui a régler ça. Par contre, je dois quitter le peuple à agir comme force sécurité payante. On l'autre force à demander. Payant pas diriger. Tout côté il y a courir, monde pas arrêter la caillou. Ariel là va jamais on chie mourir dans l'autre pays Ariel font tweet. Haïti mourir par milliards, Ariel va jamais faire rien pour nous notre. Comment je ne jode nous comme monde cap diriger nous. Sont ici par terre des petites liées. Yo des armes y a tiré peuple là, mais on pas jamais tirer Gravine, on pas tirer Belay, on pas tirer Solino, on pas tirer Miami, mais petit bout de bas bloquer Miami, mais ils ont bloqué village ça fait on pas. Mais le moisson nous bloquer la plaine pour qui ça on pas depuis un petit peuple là qui manifesté, c'est bon, il y a un petit peuple là. C'est pas pour le peuple là, sécurité. Par contre, Delma 62, nouvelle. Et c'est que l'autre machine simple là, tout qui vient tirer sur la population. Nous là, avec deux mains, nous vides et nous continuons à retenir l'arrière parce que nous dit 7 février, Ariel Henry doit bailler talon dans notre pays. Ou t'as coupé des déclarations diverses protestantes qui ont participé dans ce sting ça hier lundi sur le département de l'Ouest et à Richelieu Simonville qui t'a parlé même de participer même avec l'autre dirigeant parti et m'a dénoncé tout comportement force l'audio en bien qui baille gaz lacrymogène pour te gagner sitting là Richelieu Simonville encourager notre bonne communauté internationale là pour suspendre supporter chef gouvernement provisoire haïtien puis demander population pour augmenter mobilisation à travers tout un pays en côté Richelieu Simonville ville dans le micro David Douchard. Je tiens, il est évident que toute population, la presse, observateur doit nous et Ariel Henry sont criminels notoires, sont criminels à dernière rigueur. Et il y a environ 3000 populations qui ont commencé à rassembler devant Primature à Fumisola. Ariel Henry voyait des milices dans machine police sans plaque. Tété, nous gaz. Vin tirer balle, des mouns tête cassée. Les voix et à plusieurs reprises. Grande foule la crasée et nous pas décidé de camper. Parce que nous dit bataille pour bien-être là, son bataille engagement qui est lié. Bataille pour changer le système, non, son bataille détermination qui est lié. C'est 31 mois, oui. 31 mois injustice sociale, 31 mois violence, 31 mois viol, 31 mois bandits à terroriser la population. Ariel Henry, bilan, c'est moins que zéro, oui, en termes de positivité. Ariel Henry, c'est seulement augmenter taxes, quoi. Il fait l'en AVCT, il fait sous gaz, il fait l'immigration sous ton passeport, il fait presque sous toute bagaille qui vient dans le pays. Et je dis à nous-mêmes, comme dirigeants politiques, cap observer, qui dans crise, cap analyser, cap vivre là-dedans, nous dit faut qu'Ariel Henry baille talon. Et Ariel Henry doit quitter le pouvoir et faut communauté internationale là, qui mettait Ariel Henry en dedans et tête pouvoir ça là, désolidariser avec Ariel Henry. Parce que c'est corps groupe là, non tweet qui mettait Ariel Henry là. Et solidarité ça joignait avec communauté internationale là. Nous décidons de faire ça pour nous dire Ariel Henry. 7 février 2024, pas de lever dans notre pays. Nous, à deux jours de 7 février, c'est qui ça nous-mêmes nous allons le faire et le 7 février, ça arrive pour nous capables de faire le Premier ministre Ariel Henry quitter le pouvoir. Nous lançons un message avec toute force vive nation pour faire mobilisation non-stop pour déchouquer Ariel Henry. Parce que Ariel Henry sont incompétents, sont incapables, sont des gens qui n'ont aucun intérêt dans la population. Prenant diversion, prenant blague, prenant petit jouet pour les débats qui a essayé d'enregistrer dans le pays là.